J'étais journaliste, j'ai commencé mon parcours de journaliste à la radio centrale du Maroc, à Rabat. Ça a été en 1999 et après j'ai changé à la télé et j'ai devenu le présentateur de journaux entre le journal de minuit, le journal de 13h et le journal de 20h et aussi au correspondant de la chaîne qui voyage avec les délégations officielles. Alors j'ai travaillé. Ça, en parlant de ton métier, quoi, que tu faisais avant. Oui, c'est mon Très métier. bien. C'est mon Ok. parcours de De journaliste qui journaliste. a duré 14 ans à la CRT, ça veut dire la Société nationale des National de radios. l'affaires de ville, voilà. Et alors j'ai travaillé au Mexique, au Chili, aux États-Unis. J'ai couvert les négociations entre le Maroc et le Polisario à Houston. J'ai négocié. Plutôt, j'ai couvert le 50 et j'ai travaillé à Gaza, j'ai travaillé en Libye, j'ai travaillé en Mauritanie, j'ai travaillé en Suisse et j'ai travaillé en Italie. Alors, j'ai travaillé pendant 14 ans comme un journaliste excellent et malheureusement, Indépendant et excellent. indépendant, Indépendant, je pense. toujours le journaliste compétent, il est toujours. Mal accueilli, D'accord. surtout dans les médias officiels. Sur ce que tu penses, sur ce que tu écris, c'est ça? Ils sont pas d'accord avec toi sur ça. Alors, ils ne sont pas d'accord de ta façon de travailler. De Ça veut faire. dire, de D'accord, ok. faire, ça veut dire que le présentateur au journal au Maroc, c'est lui qui écrit le journal. Et malheureusement, c'est les incompétents. Très bien. Qui arrive au poste de responsable. Alors, on va dire juste aux personnes qui sont en train de suivre sur la page, ta page ou la page de Sofiane. Je sais pas si la page de Sofiane elle a démarré ou pas. Je vois pas bien Sofiane. Moi, je pense que oui. Moi, je trouve pas Et ta page pour être. d'accord, ok. Ben, on va sur YouTube aussi, sur la chaîne Tap Tap Radio, c'est ça, Félicité? Oui. Félicité, elle est avec nous aujourd'hui. On va lui donner le micro aussi, elle va nous dire un petit coucou. Félicité, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, ici c'est Radio Tam Tam. Nous avons des grands invités qui sont là au studio avec un journaliste marocain et puis aussi un homme Sahraoui, polyglotte. Sahraoui. Sahraoui, voilà. Avec un grand journaliste du peuple sahraoui qui sont un peuple et qui se battent contre le royaume hachémite. Et puis aussi un grand homme politique algérien qui est là avec nous. Voilà, Très avec bien. notre grand animateur, Fouad. Voilà. Alors, on va donner la parole tout à l'heure à notre collègue Félicité. Et aujourd'hui, les débats, on va commencer directement. Sofiane, bonsoir. Bonsoir, Paul. Ça va, Sofiane? Oui, ça va. Alors, Sofiane, juste donne-nous quelques mots. Qui est Sofiane? Après, on va passer à Hafsia qui va démarrer avec vous la discussion sur Sahara. Qu'est-ce que vous Sahara 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 Gharbiya. Donc, oui, Sahara Gharbiya. Non, d'accord. Sahara Gharbiya. Très bien, ok, Hafsia. Alors, Khalid Sofiane, Sofiane. Alors, on va parler en français et en arabe. Très bien, alors on vous écoute. Je suis Bachar Prokopé, Bachar de Candil. Alors, Nachat Hakoukri en français, ça veut dire quoi? Après, vous savez quoi en français? Ah, bah oui, Nachat Hakoukri. Activiste, je pense. Activiste. Voilà, très bien. Bah, il faut juste un activiste, voilà, comme ça on comprend. Non, parce que. Moi, je fais la traduction Ah, aujourd'hui. d'accord. C'est un peuple qui souffre depuis. Ça fait 45 ans. 45 ans de colonialisme, 45 ans de la torture, 45 ans de non-respect des droits de l'homme, et 45 ans de vol de la richesse de le peuple sahraoui. Ça fait pas longtemps que j'ai entendu que certains responsables marocains disent qu'ils ont investi pendant 7 milliards de dollars pendant 45 ans. Donc, c'est un pays trop riche, il y a le poisson, il y a beaucoup de richesses dans le désert du peuple sahraoui. Dans le désert, il y a le poisson, non, il n'y a pas de Non, mer. dans la mer, l'océan, Très bien. et après, dans le désert, il y a beaucoup de richesses, il y a le phosphate, il y a beaucoup de choses. Qu'on va calculer que 1 milliard de bénéfices par année, fois 45, 45 milliards de dollars. D'accord. Le colonialisme en général, soit le colonialisme qui était en Afrique en général, c'est, on peut dire, la Libye était colonisée, ben les Italiens, ils disent, on a investi. Les Français, ils ont colonisé l'Algérie, ils ont investi. Mais l'investissement qui était fait avec le sang de ce peuple, de ce territoire, et avec la richesse de ce territoire, soit n'importe quel pays africain, soit en Zaïre, en Congo, peu importe en Afrique, le colonialisme, ils disent oui, parce que c'est leur méthode.
Ça veut dire qu'ils ont investi, on va rester. C'est leur manière et leur pensée négative. Et nous, on souhaite ce peuple, il saura son indépendance, le peuple sahraoui, et surtout aussi, on n'oublie pas le peuple palestinien qui souffre depuis 1948 à ce jour. Et le massacre avec la bénédiction de la communauté internationale. J'espère que maintenant la jeunesse africaine elle se réveille pour défendre son territoire et surtout pour défendre aussi le peuple sahraoui et le peuple palestinien. Très bien. Mohamed, alors on sait que tu es exilé depuis un petit moment. On ne va pas parler de toi aujourd'hui. On va laisser notre émission. On va faire bien sûr plus de débats et plus de choses à dire sur ta vie. Parce que je sais que le parcours il n'est pas simple. Et le métier est difficile, surtout dans des pays où il n'y a pas de démocratie. Ça, on va parler autrement. C'est que vous êtes exilé depuis 2016, c'est ça? La fin de 2016, oui. Donc, vous avez vécu ici en France ou ailleurs? Non, en France. Et comment vous êtes rentré en France? Ben, je suis arrivé avec un visa. Un visa normal? Oui, un visa normal. Mais après mon licenciement en 2013 et jusqu'à mon départ, j'étais la cible des services secrets marocains. D'accord. Ils ont essayé de m'emprisonner comme tel journaliste Omar Radi, tous les journalistes, Slimane Rissoni, ils ont essayé à plusieurs manières de m'emprisonner. Et en fin de compte, j'ai fui, j'ai laissé mes enfants derrière moi. Et j'ai ainsi arrivé en France. Tu as laissé tes enfants et ta femme, etc. Oui, ma mère. Toute la famille. J'ai 15 frères et sœurs. D'accord, et comment ça a été facile, difficile de quitter le territoire? Ah ben, bien sûr, c'est difficile. Déjà, une chose, tu as une chance, parce qu'on sait, si tu rentres dans les prisons marocaines, tu ne reviens plus. Non, bien sûr, mais parfois, c'est plus dur que de fermer les portes devant un journaliste qui a été présentateur de 20 heures au Maroc. Ouais. C'est de donner des instructions à toutes les stations radio et toutes les télévisions de ne pas les recruter. Voilà. Bah oui, il est passé au-delà. Alors, oui. Et aussi, la discrimination matérielle d'une famille de 4 enfants et une femme, ça veut dire 6 personnes, vous les discriminez. Pourquoi? Parce qu'il y a une accusation. Parce que moi, j'étais accusé de travailler avec les services secrets algériens. D'accord. Ça, c'est une chose. Et j'imagine que c'est la même accusation qui me suit jusqu'à aujourd'hui sur le sol français. Ça, on va parler dans quelques instants. Je voulais juste préciser à nos auditeurs qu'ils peuvent, juste après Hafsia, nous appeler au 01 87 63 35-68 pour donner leur opinion, ils sont pour ou contre. Nous, déjà, on va parler avec Hafsia. Qu'est-ce que tu penses, Hafsia, de ce conflit? Tu parles en arabe, moi j'ai essayé de faire la traduction. Voilà. D'accord. Alors, une femme populaire. ندخل ديريكت كما يقول لك في الحوار. صح القضيه هاي دوله كما تقول الاخرين. لا نلاقي المتحده الجزائر ولا المغرب، المغرب قضيته كبيره. كل فرع وتمادى. ملتقي تمادى. كل فرع. زرت نحن انا في رايي كانسان ومسيبه في يوسف وكان فيسبوك. أصلاً بردي يقول هو نخرج من كه مغرب جميلة. أوه. والصراحة تلمع وش نسمع هو فؤاد. وي. في مغرب. وش نسمع ياسر علينا. Alors, منين جات هذا دو est venu ce conflit là de Mohamed. منين جا الكونفلي هذا؟ خلط بين العربية. بالعربية والفرنسية. On va essayer de faire les deux. Alors, on va parler les deux langues. Même féliciter son micro est ouvert. Si tu veux intervenir, tu nous dis. Oui, oui, mais j'aimerais bien demander où se trouvent maintenant votre épouse avec les. Ils sont avec moi. Ils sont avec moi. Ah oui, ils sont déjà ici en France. Ils viennent d'arriver. Ils sont arrivés le mois de mars. Ah voilà. Oui, oui, oui. Mais après des années de galère.
Même quand ils ont obtenu le visa au mois de mars, les autorités marocaines ils ont refusé de délivrer de laisser passer. Et on a bataillé pendant 13 jours pour les avoir. Ils n'ont pas de compte. Finalement, ils sont là. Ouais. Donc, ils restent au Maroc que la maman. La maman, les cousins. Quand je parle de 15 frères et sœurs, je parle de 15 frères et sœurs et des demi-frères et demi-sœurs. Ça veut dire. Tu as sauvé ta progéniture. J'ai sauvé parce qu'ils sont discriminés, aussi harcelés. Au Maroc. Parce que son père, entre parenthèses, c'est un traître. Un traître de la nation, oui. Et pour vous dire que je suis le premier sur la liste des gens qui sont ciblés par la plainte qui a été déposée par les trois services secrets marocains au mois de décembre 2020. Donc il n'y a pas un mandat d'arrêt contre toi, non? Non, mais c'est un réfugié politique. D'accord. Ils peuvent avoir un mandat, mais bon, ça se peut. Mais je pense que je vais en voler un milliard. Non, est-ce que le statut, selon le statut, tu l'as? Oui, mais j'ai un statut. Ouais. Les enfants, ils vont à l'école, etc. Oui, très bien. Madame, elle est bien assise. Oui, non, ça, très bien. Ouais. Bon. Alors, quand on parle de l'histoire du peuple sahraoui, normalement, les Sahraouis, ils ont bataillé contre la colonisation espagnole. Ça veut dire qu'il n'y a jamais une existence marocaine sur le sol sahraoui. Jamais. Ça veut dire qu'il n'y a pas un Marocain qui va voyager de Tanger pour chercher la tombe de son père avant 1975. C'est la date de la... C'est la mafia. Oui. Entre parenthèses. Et... Il n'y a jamais une armée marocaine qui a participé avec l'armée sahraoui pour défendre le territoire sahraoui. Ça veut dire, il y a où les Marocains? Il y a où les responsables marocains dans ce territoire avant le 1975, l'arrivée de 350 000 Marocains qui sont piégés par le régime de Hassan II. Le problème du peuple sahraoui, c'est un problème d'existence. C'est pas un problème de matériel. C'est pas un problème de quoi vivre. C'est un problème d'existence. Ça veut dire, il y a un peuple sahraoui divisé sur deux. Il y a une partie qui est dans les provinces occupées actuellement. Et il est aussi ciblé par le pouvoir marocain. Parce qu'on trouve jamais un préfet sahraoui dans les provinces occupées. On trouve jamais un colonel de la gendarmerie sahraoui. Oui. Ils sont tous des Marocains. Et on regarde, si on va mettre un clou d'œil sur la situation des droits de l'homme au Sahara occidental, on va savoir la discrimination du pouvoir envers les Sahraouis. Dans l'autre côté, il y a des Sahraouis qui sont fui parce qu'ils sont menacés par l'armée marocaine à l'époque, et pour cela qu'on trouve un père qui n'a jamais passé le Eid avec son fils. Jamais, je parle de 45 ans de souffrance. Aujourd'hui, quand le pouvoir marocain il parle de la responsabilité de l'Algérie de se déclencher ce problème. Très bien, j'ai juste une question à vous poser d'un auditeur, d'accord? Il dit, vous êtes marocain ou pourquoi vous êtes contre le peuple marocain, contre le gouvernement? Je ne suis pas marocain, j'ai abandonné ma nationalité marocaine, ma nationalité forcée. En quelle année? Juste là, depuis quelques mois. Donc vous avez vécu tout en Maroc, vous avez eu la nationalité marocaine quand même à l'époque. Vous étiez marocain? Non, je ne suis pas marocain, c'est comme les Sahraouis qui se trouvent aujourd'hui dans les provinces occupées, ce sont des Sahraouis, ils portent la nationalité. C'est comme les Palestiniens qui portent la nationalité israélienne parce qu'ils sont occupés par Israël. Donc, vous, juste pour préciser à l'auditeur, qu'on soit plus d'accord. Vous êtes marocain? Non, je ne suis pas marocain. Pas maintenant. Vous êtes Polisario? J'étais sahraoui, je porte la nationalité marocaine. Très bien, parce que je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné. Très bien. En plein live, là, juste.
je parle de mois de février. Oui, non, non, c'est parce que j'ai brûlé le poste. Gilles, les gens me réclament le lien à YouTube. Ah non, il n'y a pas de lien YouTube, c'est après. D'accord, parce que les gens ils veulent. Bon, alors vous allez sur les deux pages de Mohamed. Mohamed, c'est quoi ta page? Parce que les gens réclament les pages. Tu peux faire partager. Ah non, très bien. Voilà. Je l'ai aussi pour partager. Mohamed Radi. Radi. Écrivez Radi, R-A-R-A-D-I. Voilà, Mohamed Radi. Elili, E-2-L-I. Elili. Très bien. Alors, là, la sécurité. Je l'ai abandonné. J'ai brûlé mon passeport en plein live. C'est ça ce que je voulais dire. Ouais. Voilà, parce que les gens disent pourquoi, etc. On a le droit de répondre quand on a le droit de ne pas répondre. Non, pour un journaliste, je pense qu'il vaut mieux être clair. Il faut répondre toujours. Très bien. Alors, chose très importante, Sofiane, qu'est-ce que tu vois de ce combat? Parce que là, en ce moment, moi, je vous dis, je suis un petit peu les événements. Maintenant, le peuple, il a commencé, ils ont commencé même les rappeurs algériens et les rappeurs marocains, on ne va pas parler un petit peu de Polisario, ils ont commencé à se faire des menaces, comme ils appellent eux, j'ai perdu le nom, des VS, voilà, contre un rappeur algérien, contre un chanteur algérien, ils se font des rap contre eux, ils s'insultent, etc. Qu'est-ce que tu vois pour ça? Parce que là, si ça commence par le peuple, après, c'est pas bon. On dit khawa khawa, mais là, je pense que khawa khawa, ça ne va pas exister. Le peuple algérien. Oui. C'est le peuple, il a fait la résistance pendant un siècle et 32 ans. Un siècle et 32 ans, d'accord. Les historiens, ils disent entre à peu près 7 millions de morts. La torture, les nucléaires, beaucoup de choses. Et le colonialisme français, quand j'arrive par au Maroc, parce que c'est lié, Maroc, Algérie, France, Sahara, c'est tout lié en même temps. Le cas français, les historiens, ils disent qu'ils ont commis 20 millions de morts en Afrique. Maintenant, vous parlez pour les chanteurs. Le peuple algérien, il est libre. Il est libre, qu'il pense, qu'il chante la vérité. Tandis que les chanteurs marocains, ça, on appelle ça l'Akhzan, on appelle ça l'Ayasha, Zriba, c'est des mots. J'ai des gens qui le payent pour dire des choses. Même le chanteur marocain, il n'est pas convaincu de ses paroles qui lui sortent de sa bouche. Il sait qu'il est, lui-même, il est colonisé par les Alaouïens. Il est poussé. C'était une dynastie, elle est venue coloniser ce territoire en 1912 avec l'aide de maréchal Yoté, qui a construit lui-même le drapeau marocain. Ça veut dire maintenant, et moi je l'ai dit, je le répète souvent, le Maghreb, vous prenez la Tunisie, le peuple tunisien, le peuple libyen, le peuple mauritanien, le peuple sahraoui, le peuple mali, le peuple algérien et nos frères, le peuple marocain. Le royaume. Je dis comme quoi, dans le passé. Nos frères, c'est ça. Oui, nos frères, oui, nos frères. Parce que c'est une minorité qui est le passé. C'est la IHA. Hein. Ils ne présentent pas même pas 2%. Hein. Mais les médias, elles font tout le poids avec l'argent, tout ça, on dirait sur le peuple marocain. Je te le jure, je ne souhaite pas le malheur par le malheur. Quand on demain, il y a un conflit, le peuple marocain. Du tout dire, va retourner les armes contre le royaume. Ce peuple souffre. Il souffre beaucoup, ce peuple. Et c'est pour cela, maintenant, à un certain moment, le peuple sahraoui, encore, il souffre beaucoup plus. Depuis 45 ans de souffrance, de torture, et personne n'y parle. Parce que maintenant, malheureusement, les médias occidentaux, avec de certains lobbies, ils maîtrisent la situation, ils maîtrisent la communication. La communication, on peut dire, on communique. On oriente, on explique. Et parfois, la communication, c'était une manière, on exerce le terrorisme avec la communication. Très bien, on va donner la parole à Hafsia. Hafsia, qu'est-ce que tu penses de tout ça? La culture, d'accord. Non, voilà. Hafsia, ce que je voulais dire, c'est les chanteurs entre eux, en ce moment, ouais. Sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur voilà, pour ne pas faire la publicité, ils sont en train de se clasher, voilà, le mot clasher, ça veut dire lui il dit un truc, l'autre il va lui répondre, après les gros mots, j'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai jamais entendu de gros mots de ma vie sur des rappeurs que je connais, des petits rappeurs, ou là, des grands rappeurs algériens et marocains, ils s'insultent, ça veut dire de ta mère, de ta sœur qui va aux Émirats, etc. Oui, c'est...
Oui. Rien vu encore. Ah, ben j'ai rien vu encore. Oui. On a un sujet. D'accord, tu les as enregistrés. D'accord, donc ils insultent le peuple algérien et ils le traitent de bâtard. D'accord. Ah ben voilà, ça énerve les gens, bien sûr. Il y a 20 ans, non, il ne faut pas écouter un marché de sélection. Est-ce que le chabé, stop. Pas d'insultes, pas de. Voilà, pas de glossière. Oh non, non, c'est le biche blédi. Bien sûr, il ne faut pas toucher à l'enfant. Il y en a. Il y a ce blédi. 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 سؤال بطل الأخ محمد وي نعم بون اسمح لي هذيك حيث تصفيت مثل ما وصلت ما تنحيات هذيك روح من ثالث ما عندي أنا وي سي اون كيستيون إلا ريبوندو ديريكت باغ كونتخ من دبتي كون الجزائر تستورد الخضرة من المغرب نحب نفهم الحية دي Depuis quand Algérie tessoure de l'khadra من المغرب? Oui, elle a dit que l'Algérie elle a fait ses courses au Maroc sur les légumes et tout ça, c'est ça. Hein? Oui, oui, oui. C'est bien. Donc, سامحني بكل صراحة في انت سامحني الاستاذ محمد سامحني سفيان مدام فيليسيتي oui. مدام فيليسيتي énormément, c'est la vérité qui tout. C'est-à-dire maintenant, c'est l'État qui essaye de certaines personnes qui sont pauvres. Qui sont pauvres, mais donc je suis au boulot, c'est les gens qui ont mis le cerveau. D'accord, ça veut dire que c'est des gens perdus, qui ont dit qu'on a. Je connais les deux, je pense, ou du peuple. إذا سمحت لي حفصية فقط نوضح هذه النقطتين يعني هذه النقطة اللي تكلمت عليها على الاقتصاد وتكلم على 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 الفن احنا نتكلم عن ثلاثة شعوب نتكلم عن الشعب المغربي والشعب الجزائري والشعب الصحراوي هذه الشعوب مبدئيا ما عندهم مشكلة مع بعضهم وي لو بيبل اونتر سافا الصحراوي ما عنده مشكلة مع المغربي والمغربي مبدئيا ما خاص يكون عنده مشكله مع الصحراوي والجزائري ما خاص يقعد عنده مشكله مع المغربي والمغربي كذلك ما خاص يكون عنده مشكله مع الصحراوي البروبليم اللي هو كي نقول لك انا خدمت في الاعلام الرسمي المخزن داكور المخزن يشتغل على تشويه صوره الجزائر اكسبري وسمح لي دقيقه وعمل الصحراء الغربيه شبعها ايوه طبعا لانه هو عليه يهاجم الجزائر هو عليه يهاجم الجزائر هو يهاجم الجزائر لان الجزائر هي اللي لقوا فيها الصحراويين الخير وما لقوا في النظام المخزني هو النظام المخزني يقول بانه هاو الصحراويين يقول بانهم جزء من شعب واش لقيت في التاريخ انه حد يقول بانه هذا جزء من شعبي وهو اللي يخبطوا بقنابل النقال وهو اللي يهجروا من عرضه وهو اللي يقتلوا وهو اللي يشوه صورته إلى لاحظته في الإعلام الرسمي المغربي يقول لك المخيمات الصحراويين يقول لهم مخيمات الظل والعار ويقول لهم المرتزقة يعني احنا بونا وخونا وعمنا وخالنا مرتزق ميخسناه تعرف لما تقول الانسان ميرسونير سبديك شكون اللي يعطيه الفلوس شكون من اجل باش يدافع عن ارضه الجزائر تقول انه الجزائر ولا تقول انه الجزائر هي اللي افتعلت المشكله واش الجزائر مشات بسلاحها وجيشها دخلت الى الصحراء الغربيه ب 75 ورفدت الناس من العيون والله من الصحراء المحتله وداتهم المخيمات شكون اللي جراها عليها والناس من ارضهم اللي رجع لهم هو النظام الحسن الثاني اللي استعمل الشعب المغربي مع الأسف كسلاح لأنه ما عنده جرأة أنه يدخل مع مواجهة مباشرة مع الصحراويين الشباب المغاربة 305 في قضية فقط لأن إشارتي للخضراء هو شوف هو السلعة المغرب موجودة في فرنسا وسلعة الجزائر موجودة في فرنسا لكن ما يمكن فرنسا تقول أنه أنا
انا ضد المغرب لانه ما اعطاني مطيشه والله ما اعطاني بطاطا والله هذه مساله خاصه فهمت اذا سمحتي لي يعود النقاش يعود النقاش الاكونومي سي الاكونومي لا بوليتيك سي لا بوليتيك لا pour le moment si il y a un conflit entre l'Algérie le Maroc et le peuple sahraoui l'économie bien sûr elle va être touchée quelque part parce que la politique elle est certes comme ici en France hein. Regardez ce qui se passe. Mais comment il sera touché? Comment? Attendez, juste une chose. Donc déjà il y a trois, on va dire il y a trois personnes, il y a trois conflits. Comment gérer les conflits? Moi je ne suis pas spécialiste. Après qui quoi? Bah oui, si on a fermé les frontières. Oui. Avant il y avait la contrebande qui passait l'essence, qui passait les courses, on va dire les, ouais. Voilà, tout ce qui est alimentaire, etc. Mais, des deux côtés. Non. Moi, je... Sophia, tu peux t'approcher du micro. Ouais, moi, j'ai passé 25 ans. Je fais comme si l'économie en Afrique, en général. Alors, c'est bon, pas moi. D'accord. C'est parce qu'ils disent que les Algériens, ils mangent mal. Sur le statistique international, c'est pas moi, je le dis, le pouvoir d'achat en Afrique, le moins cher, c'est en Algérie. Ça, c'est l'ONU. Un. Deux. Je vais vous donner un top exemple. Le gasoil. Le litre de gasoil en France, il est 1,70 €. Mm-hmm. En Espagne, 1,10 €. En Maroc, 1,30 €. En Algérie, 0,30 €. Deux. Maintenant, je parle de l'économie algérienne. C'était la troisième puce économique en Afrique. Trois. Le Maroc, l'endettement marocain, c'est pas moi, c'est les statistiques internationales, il est à 92% du PIB. L'endettement algérien, il est à zéro. Et il y a une réserve d'argent. Je sais que le président Cameroun a dit qu'il ne va pas. Non, l'Algérie a pas su. Non, je vais le dire maintenant. L'endettement algérien, zéro. Il y a une réserve d'argent, 40 milliards de dollars. Ça veut dire que maintenant, les experts économiques, l'intox de Marzano, tout ça, ils disent ah, on n'est pas. On est en crise économique. La crise économique actuellement, sur deux ans. De... C'est la guitare, ne vous inquiétez pas. Deux ans de Corona, c'est vrai, elle a frappé l'Algérie. Mais le problème. Elle n'a pas frappé que certains pays africains, malheureusement, sont dans un endettement grave. Ah, c'est pour ça qu'elle a dit maintenant. Maintenant, nous, le problème qu'on parle aujourd'hui, c'est pas que, comme l'a dit Mohamed, il faut maintenant monter le niveau de débat, c'est très important pour les gens de nous écouter. Le problème, il y a un peuple. Il y a un peuple qui souffre depuis 45 ans. Okay. Un peuple qui est massacré. Un peuple qui a besoin de son indépendance. Mais il y a une chose importante, les gens qui ne savent pas. Mm-hmm. Le jour où le peuple sahraoui qui a fait la résistance contre les Espagnols, mm-hmm. un euro. Un dirham, il n'a pas dépassé le roi de Maroc. Un soldat, il n'est pas mort. Et un Kachinkov, il n'a pas donné. Et les Espagnols qui sont sortis, il est rentré partager le territoire avec la Mauritanie. Et les Mauritaniens qui étaient en prison, ils ont vu le conflit commencer à s'aggraver, ils ont retiré. Et le problème sahraoui, il était à l'ONU en 1961, avant l'indépendance de l'Algérie. Donc, maintenant, c'est du blabla, c'est du blabla. Le Sahraoui n'est même pas connu, n'est pas reconnu. Non. Le problème, il était à l'ONU en 1900. Il a reconnu le dossier. Au niveau de 83 pays, au monde. Et même la France, ils ne reconnaissent pas la marocanité du Sahara. Oui, c'est ça. La France qui supporte le Maroc, la France, quand on parle de la France, c'est elle qui utilise... Non, c'est ça qu'on appelle la communauté internationale. Moi, je veux parler au niveau de l'ONU, au niveau de l'Union africaine. Oui, mais le dossier du Sahara occidental, il est discuté au niveau des Nations Unies comme un sujet de colonisation. Jusqu'à aujourd'hui, là, actuellement, il y a la commission 4 au niveau des Nations Unies qui se débat sur le sujet du Sahara occidental. Ça veut dire il y a pas, même les États-Unis, même l'ancien président américain Donald Trump, qui a reconnu le Sahara occidental pour le Maroc, il n'a pas le droit. Est-ce qu'il y a un pays dans le monde va reconnaître un territoire qui ne dépend pas de lui à notre pays? Ça veut dire que le Maroc, quand on cherche la reconnaissance, c'est parce qu'il se trouve dans une position faible. C'est pour cela qu'il utilise les rapports aussi, il utilise pour toujours pour
Des rappeurs. Oui, et ils utilisent. Pour se clasher entre eux, pour qu'il y ait plus de haine, etc. C'est ça, elle. Là, c'est ça qu'on appelle la manipulation. Ils utilisent la manipulation. Pourquoi le Maroc n'a jamais utilisé ou jamais produit des chansons sur la marocanité d'Agadir? Pourquoi il n'a jamais produit des chansons sur la marocanité du Marrakech? Et pourquoi il produit des chansons sur la marocanité du Sahara occidental? Parce qu'ils savent que le peuple marocain il est manipulé. Le problème, c'est que le peuple marocain il est déjà manipulé en 1975. À l'heure de la marche faire. Et aujourd'hui, il est manipulé par les médias. C'est pour cela qu'on est attaqué quand on parle du sujet du Sahara occidental, quand on présente la vérité de ce sujet, quand on parle de ce qui se passe dans le territoire occupé, quand on parle de ce qui se passe dans les associations montées par le pouvoir pour défendre sa cause. Au niveau des Nations Unies, ce sont des Sahraouis, malheureusement, mais ce sont des mercenaires accompagnés par les agents de la JEP, la direction des services secrets étrangers, qui s'occupent de l'étranger, et ils sont payés pour faire ça. Et aussi, ils payent aussi des ambassadeurs au niveau des Nations Unies à Genève, ils payent des lobbies au niveau des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le Sahara occidental. Très bien. Je reprends la parole et je pose la question à Sofiane aussi. Aujourd'hui, bon, suivant les médias aussi, avant de faire cette émission, bon, je me suis ressourcé un petit peu. Ils ont posé la question à le porte-parole d'Israël, d'accord, en disant qu'est-ce que vous pensez si l'Algérie attaque le Maroc? Et la réponse, elle était directe. Et si l'Algérie touche le Maroc, bien sûr, que nous, on va faire tout notre possible pour la paix. La paix pour la guerre. J'ai une chose. Alors, je vous écoute. Avant, je vais rajouter une chose. Il y a une condamnation du tribunal européen qui a condamné le Maroc. Il vaut de la richesse de peuple sahraoui. C'est une condamnation. Il met en garde tous les groupes européens qui ne vaut pas la richesse du peuple sahraoui. Ça veut dire que le tribunal européen il condamne le Maroc, ça veut dire que le territoire est colonisé. Et maintenant, sur le problème, dans les années 60... En fait, on est en train de sauter un peu partout pour... J'ai rajouté le... D'accord. Maintenant, l'intervention de l'obusionniste qui a dit des mots comme ça, nous, on ne fait pas très attention. Mais il y a une chose, que l'État sioniste, il peut savoir une chose, moi je le dis, et c'est le futur Inch'Allah. Les années 60, on a besoin des personnalités grandes, comme Jabal Abdel Nasser, Malik Faisal, Bonneville, tout ça. Cette fois-ci, le peuple algérien, il sera le conducteur de l'État arabe. Ils veulent jouer le leadership. Non, c'est le peuple. Oui, elle a raison. Le peuple. Maintenant, c'est le peuple qui va conduire. Parce que la souffrance du peuple irakien, la souffrance du peuple yéménite, la souffrance du peuple libanais, la souffrance de Libye, tout ça, c'est le lobbyisme qui commence à mettre le camp partout. Parce qu'ils ne souhaitent pas la démocratie dans le Maghreb. Ils ne souhaitent pas la démocratie même en Afrique. Ils ne souhaitent pas du tout. C'est du bloc. Parce que comme la dernière fois, M. Macron il a invité la jeunesse africaine. Mais non, il ne faut pas parler ça, c'était du théâtre. Oui, justement, c'est la manipulation. Parce que même quand ils ont souhaité faire du bien, les partenariats gagnant-gagnant, pourquoi ils attendent 60 ans après? Pourquoi on attend après? On a pris beaucoup de retard. Il y a des Africains qui crèvent dans la mer, tout ça, à cause des lobbies. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a dit il se trompe. Le peuple algérien, c'est un peuple guerrier. Il se trompe. Et ils vont faire quoi? Il se trompe. Maintenant, moi j'ai dit une chose. Oui. Le royaume, je le dis, c'est une menace pour notre territoire. Tout le territoire. Quel royaume? Le roi de Maroc. Parce que c'est une fabrication de l'occasion français. C'est le maréchal Lyoté. Parce que la première république au Maroc, c'est le Khattabi d'Al-Rahma. Et pourquoi ça n'a pas été déclenché avant? Pourquoi on attend 2021 pour que, bon, allez, je dis pourquoi. Ça ne va pas du non, tout non. Entre le Maroc et les Marocains, entre les Algériens, allez, les Algériens, le peuple sahraoui, je ne connais pas un petit peu. Certains pays arabes, vous-même, le camp en Irak, on sait tout ça. Donc le problème,
le seul maillon fort qui reste en pied pour sauver l'Afrique et le peuple maghrébin, c'est l'Algérie. On a une position. L'Algérie, depuis la période d'indépendance, toujours on a combattu pour des peuples colonisés. C'est nous, on a aidé l'Afrique du Sud pour l'indépendance. Et plusieurs pays africains, c'est l'histoire. C'est pas nous, c'est l'histoire. Sinon, on a aidé beaucoup de choses. Sinon, on a stoppé la guerre civile au Liban. C'est l'Algérie qui a stoppé la guerre entre l'Irak et l'Iran. D'accord. Et maintenant, le peuple sahraoui qui souffre, on ne peut pas laisser un peuple, non assistance, un peuple en danger. C'est notre responsabilité. Supposons que ce n'est pas l'Algérie, ce peuple s'appelle longtemps, il est massacré. Donc. À la fin du compte, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le point de dire que ce qui nous manque en Afrique, il y a 52 États, et même, je vais même dire 53 États, parce que nous, la diaspora, nous représentons aussi un État. Ce qui nous manque en Afrique, c'est ce que tu viens de dire, que le peuple algérien, le gouvernement algérien, il faut prendre un leadership. Le leadership, ça ne veut pas dire que ce sera seulement pour le monde arabo-musulman, ça veut dire que c'est tout le continent africain qu'il faut quelqu'un qui amène tout le monde en haut. Comme Kadhafi voulait le faire au niveau du franc. Quand on dit que le franc, quand on dit que le franc CFA veut dire aussi souffrance. Souffrance. C'est-à-dire que le franc CFA, vous avez peut-être le dinar, mais nous avons le franc. C'est une arnaque. C'est le franc CFA, c'est quoi? Le franc CFA, c'est un argent de l'esclavage. Moi, je sais que moi, j'ai toujours des problèmes ici avec les services secrets français. Moi, je n'ai pas peur de la mort. On me menace même au niveau de quand j'écris. Il me dit, vous pouvez mécaniquement enlever ça, madame le femme, parce que moi, je dis la vérité. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. Parce que moi, j'ai dit que moi, je suis pour l'indépendance totale de l'Afrique. Parce que l'Afrique, telle qu'elle est là, n'est pas indépendante. L'Afrique n'est pas indépendante. Pour qu'un pays devienne indépendant? Non. Moi, je veux dire que nos passeports, les données sont stockées ici, en Europe, chez Thales, parce que nous n'avons pas de serveurs. Il nous faut des serveurs. Cela dit, pour avoir l'indépendance totale de l'Afrique, nous devons conquérir déjà la monnaie, l'économie, contrôler notre propre économie, et faire des gains ensemble et arrêter, nous faisons des guerres. Je vais dire une chose, je vais dans ton sujet. Mm-hmm. Déjà, le français CFA, maintenant, c'est OK, éco. Et la réserve d'or, elle appartient à les 15 pays africains, à peu près, peut-être, je ne sais pas combien de temps d'or, c'est le trésor public français. Et le franc CFA et ECO, c'est un taux fixe. Ça veut dire très bien sur le sujet. Oui, oui. Ça veut dire, la France, elle gagne minimum sur le franc CFA et le franc ECO, elle prend minimum entre 160 milliards de dollars à 200 milliards, minimum. Mais certains journalistes africains, il y a dans certains journaux, ils accusent l'État française, depuis Général de Gaulle à ce jour, sont derrière 22 chefs d'État assassinés et 205 diplomates en exercice et chefs d'État. Ça veut dire que maintenant, on ne peut pas continuer comme ça. Ouais. Le continent africain, le continent le plus riche au monde, est le peuple le plus pauvre. Voilà. Le plus grave. C'est une souffrance. C'est une souffrance. C'est une souffrance totale. Mais moi, je dis, l'Occident, il a fait quelque chose de formidable. C'est les réseaux sociaux que maintenant on parle. Et la jeunesse africaine, elle est réveillée. C'est ça que j'appelle la jeunesse 1950 et la jeunesse 2050. C'est-à-dire que moi, je me dis que moi, notre époque à nous, on va vieillir parce qu'en 2050, je serai vieille. Oui. Mais moi, je me dis que c'est mes petits-enfants qui vont dire que stop, c'est fini. Ça veut dire qu'il n'y aura plus ce qu'on a vu là à Montpellier. Le théâtre qu'on a vu, parce que Macron, c'est un théâtre, c'est les jeux du théâtre. Tu te rends compte, les gens qui ont fait le speech là-bas, ils sont d'abord passés à l'Élysée pour qu'on les scotche, ça dit ce qu'ils doivent dire. Moi, Félicité Vincent, on doit me dire ce que je dois dire. On me dit ça, moi je parle d'une autre chose, je fais un contre-discours. Parce que moi, je suis révolutionnaire. Pas révolutionnaire que je prends des armes, c'est... La parole. C'est ça qu'on le dit que Radio Campton. Alors, madame Vincent, on revient à vous dans quelques instants, le temps que, parce qu'il y a une autre personne qui va nous appeler au téléphone, on va dire à Hafsia de ne faire de nous quitter. Ça veut dire que tu vas nous suivre un petit peu sur la page de Sofiane et sur la page de Mohamed. Le temps. Voilà, je vais te donner la parole, après je te rappelle ou tu me rappelles pour repasser en direct. Allez, commentaire, Yala. Ok, merci. En tant que Algérie,
Regarde maintenant, Anna, les Africains en Algérie. Oui. Oui. Comment ça s'appelle les exilés, c'est ça, ou les réfugiés, les réfugiés africains qui sont en Algérie. Non, Algérie. Algérie. D'accord. Okay. Donc l'Algérie, elle a fait les mêmes lois pour eux et pour les Algériens. Tant mieux, hein. Ça s'appelle l'égalité. Oui, oui, oui. متن ساي يكتب إنه في الجزائر اليوم تقريبا أكثر من 500,000 مغربي مهاجر. كم يا؟ أكثر 500,000. 500,000 refugees. Est-ce que ça non? Ben des immigrés. Haraga quoi? Non, haraga avec des papiers. D'accord, ok. Mais au contraire, on trouve pas ce nom au Maroc. D'accord, je ne parle pas des Algériens. Ça veut dire que l'économie algérienne, il est plus que attirée que l'économie marocaine. Très bien. Alors, Hafsia, je te laisse finir. Comme ça, on va prendre M. Saïd. Inch'Allah, je crois. Il vive qui encore? Je suis fière d'être algérienne. Super, on sait que la fierté, on va t'inviter prochainement ici, comme ça, tu vas montrer à Madame et Monsieur Vincent, comment tu fais la cuisine, parce que il faut dire Hafsia, c'est un cordon bleu et voilà. D'accord, Hafsia? On va t'habiter ici à la villa tranquille. D'accord, je suis parti. On te rappelle tout à l'heure, vas-y, à tout à l'heure. Alors, le téléphone, c'est le 01. Alors, on va juste voilà, libérer la ligne. 01 87 63 35 68. Je répète, 01 87 63 35 68. On va faire une petite pause musicale, on revient, d'accord? Le temps que Madame Félicité, une fois Madame Félicité, me lâche un petit morceau musique.